merci d'être venu une nouvelle fois aussi nombreux, une nouvelle fois en espérant qu'il y ait de la galette pour tout le monde. Plus qu'un buffet, Sylvain. De la galette, mais je sais que notre adjoint à l'événementiel a fait le nécessaire, n'est-ce pas Yann ? Bien sûr. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les conseillers d'agglomération et le premier d'entre eux, le président Jacques Goulet, ici présent. Et merci également à tous les maires venus nombreux ce soir. Je vais essayer de ne pas les oublier. Merci aux élus de Blue. Merci, je fais le tour comme ça, c'est plus simple. Merci à Jean-Christophe, le maire de La Lanchale, à Olivier, le maire de Courléon. Merci à Laurent, le maire de Saint-Clément. Merci à Thierry, maire de Vernantes. Merci à Christian de sa présence, maire de Saint-Philbert du Peuple, notre voisin. Merci à Guy, maire de Neuillet. J'ai cru voir passer juste à l'heure, je ne sais pas où ils sont, Michel Pathé, voilà, il est tout là-haut, Michel Pathé, maire de Douy-en-Anjou, ainsi que Jean-Pierre Antoine, maire de, je ne devrais pas l'oublier celle-ci, Courchamp, on est au sud, Courchamp, là où on a fait quelques fêtes jadis, ça me rappelle toujours cela. Et puis, je n'oublie pas également, j'allais oublier Gérard Polis, le maire du Coudray-Macquart. J'espère n'avoir oublié personne. Excusez-moi si qui j'ai oublié. Mais Béatrice est tellement discrète à chaque fois que je l'oublie. Où est-elle, Béatrice? Elle peut lever la main. Ah non, elle est de l'autre côté. Voilà, elle s'est cachée en plus. Donc, merci à Béatrice. Merci à Jean-Philippe, donc maire de Vivi. Merci à Jean-Philippe, maire de Blue. Toujours, oui, c'est toujours Blue. Okay. Pas trop. Et à vrai dire, je n'ai pas souvenir d'avoir eu autant d'élus dans nos voeux. Ma femme dirait que si nous n'étions pas à quelques encablures des élections de l'agglomération, ce serait un bon signe. Qui sait ? Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, madame notre commandant de communauté de brigade, le lieutenant Derine Weisberger, que je remercie pour sa présence une nouvelle fois avec nous, merci à elle pour cet engagement. De tous les instants à nos côtés, et je sais que les maires voisins s'associent à moi dans cette pensée, ainsi que le major Charret, commandant de la brigade de Longué-Givelle, qui dispose peut-être d'un peu moins de charme, encore que, mais qui, je le sais, mène autant ses actions de manière efficace, et j'en ai été témoin cette semaine, plutôt la semaine dernière, on va dire, avec cette soirée un peu chaude, du côté de la Sirotière, pour ceux qui ont lu la presse. Monsieur le lieutenant Benoît, qui vient de reprendre avec conviction, comme l'a dit notre premier adjoint, notre centre de secours, son second Carlos Rubio, je ne l'ai pas vu ce soir, mais peut-être est-il absent, et tous les sapeurs ici présents, merci de vos efforts de tous les jours et de nos excellentes relations, c'est important, évidemment, pour la sécurité de tous. Monsieur le directeur général des services, cher Laurent, monsieur le directeur des services techniques, cher Fabrice, mesdames et messieurs les agents communaux, mesdames et messieurs les représentants de notre vie associative, si diverse, si riche d'activités et de militantisme désintéressé. Mesdames et messieurs les représentants du monde de l'éducation, mesdames les directrices des écoles, de la santé, mesdames et messieurs de la vie économique, commerciale, artisanale et agricole, tous créateurs de richesses et d'emplois. Mesdames et messieurs du monde sportif, dont le premier d'entre eux, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, Daniel Régnier, un homme de grande classe, devenu un ami personnel, vice-président du comité départemental olympique, en cette année justement olympique, qui nous fait l'honneur donc de sa présence. Et nous avons un peu de travail ensemble au cours des prochains mois, n'est-ce pas, cher Jean-Pierre Legendre, adjoint au sport, bien sûr. Mesdames et messieurs du monde culturel et tous les artisans de l'action sociale dans toutes ses dimensions, mesdames et messieurs mes chers concitoyens, j'en ai terminé pour le protocole et pour beaucoup, je pense pouvoir dire, chers amis. Ce matin, en me levant très tôt, pour écrire ces quelques mots à votre attention, je me suis d'abord interrogé sur mon état d'esprit et sur celui de mon équipe municipale. Trois sentiments sont apparus à l'aube de cette année 2024. D'abord, la sérénité. Et je crois que le discours du premier adjoint va dans ce sens. Puis le sérieux. Et enfin, l'ambition. Je vais y revenir tout au long de ce propos. Mais comment ne pas être particulièrement positif en 2024 à Longué-Givelle ? Lorsque l'on prend conscience de la chance que nous avons de vivre avec toutes nos entreprises d'importance et créatrices d'emplois,
nos services, nos commerces et notre artisanat dans notre monde rural si préservé. Lorsque l'on s'aperçoit que les finances de notre ville, je vais y revenir, vont tout simplement très bien, et qu'autant de grands projets se font jour, pour le bien de tous et dans l'intérêt de tous. Ce moment des vœux revêt en effet et désormais une valeur particulière. Parce que je crois, ce moment nous rassemble tous, preuve ce soir, au-delà de nos divergences, et nous recentre finalement sur l'essentiel. Je souhaiterais donc vous remercier pour votre confiance et rendre hommage aux élus qui m'accompagnent dans l'accomplissement de notre mission collective. En effet, et depuis déjà 15 ans maintenant, notre conseil municipal n'est guidé que par la seule volonté de répondre aux défis et aux enjeux qui se présentent à nous, dont le principal est très certainement d'accompagner chacun dans son quotidien. Pour moi, il est, et il restera toujours, deux axes importants. D'abord, s'attacher aux difficultés rencontrées par chacun, qui peuvent parfois paraître insignifiantes, mais qui ont tant d'importance pour ceux qui ont besoin d'aide et de soutien. Ensuite, et c'est le plus visible, définir et réaliser les projets qui conditionnent l'avenir de notre collectivité, c'est-à-dire être visionnaire. C'est aussi avec l'intime conviction qu'il faut remettre à l'honneur les valeurs humaines de solidarité et de justice, que vous me permettez tous à votre niveau d'assumer cette responsabilité de maire que vous m'avez confiée depuis déjà 2008. Mais bien sûr, et je le disais en prémisse, je ne suis pas seul. Loin de là, bien sûr, ce travail est collectif et vous le savez. Depuis 2020, c'est-à-dire depuis maintenant près de 4 ans, notre équipe renouvelée a largement repris la main sur le destin de ce territoire qui est le nôtre. Des remerciements sincères à mes compagnons de route et au premier d'entre eux, Sylvain Lefebvre, notre premier adjoint, toujours prompte à secouer le cocotier, et que je remercie pour ses bons voeux et à qui je souhaite les mêmes pour son épouse, bien sûr, Julie, et ses enfants. Au-delà, je vous invite à applaudir ce soir toute l'équipe municipale qui n'a que deux objectifs. Vous rendre service et imaginer notre avenir à tous. Merci de les applaudir pour leur engagement. Servir. Servir sans s'asservir ni se servir. Telle a toujours été mon ambition et c'est ce à quoi nous attachons sans relâche et avec humilité. Je le disais en introduction, depuis notre première élection il y a 15 ans, nous avons agi pour faire de notre cité une ville plus citoyenne, plus forte, plus solidaire, plaçant la population que vous êtes au cœur de tous nos projets, plus riche individuellement, plus riche collectivement, et désormais regardée de très près par nos voisins très proches pour les richesses qu'elle est en train de produire, et pas seulement financières, à toute une partie de notre territoire nord-saumurois et d'agglomération. À l'heure où les financements extérieurs se font de plus en plus rares, c'est plus que jamais avec grande vigilance que notre budget doit être établi. J'y reviens dans quelques instants. Il n'est ainsi pas rare que je puisse dire non à mes adjoints lorsqu'ils me sollicitent pour tel ou tel investissement ou telle dépense. Mais je sais qu'ils acceptent cette règle de la gestion en bon père de famille. Une gestion qui, de facto, laissera demain plus de marge de manœuvre pour les moments plus difficiles qui pourraient éventuellement s'annoncer. Faire mieux avec moins devient un credo, presque une loi de la nature même. C'est donc dans le respect des valeurs de courage, d'honnêteté, de franchise et de transparence que nous allons continuer à œuvrer pour notre ville. Et si Longué-Jumelles se renforce dans sa centralité, c'est parce que nous avons su faire les choses dans l'ordre. Avec... On s'endort là où il fait trop chaud. N'est-ce pas ? Avec ce nouvel hôpital, dont peu de villes disposent désormais, quoi que l'on en dise. Avec ce pôle de santé pluridisciplinaire, pour 7 médecins généralistes sur la ville, des kinés, des infirmières, des chirurgiens dentistes et plusieurs autres professions médicales plus qu'utiles à la vie de tous les jours, un pari qui était très loin d'être gagné il y a encore 10 ans. Avec l'accompagnement des structures associatives, paramédicales, comme le SIAD auquel je pense, l'ADMR, les Restos du Cœur, ou encore la résidence senior des Charmilles. Avec
la mutuelle communale qui se met en place actuellement et bien d'autres services encore qui permettent à tous et à nos anciens les plus en difficulté et pas seulement des aides de proximité pour eux et leurs familles, autant de projets et d'attention portés aux plus fragiles. Un grand merci à toi, Nathalie Ploquin, notre adjointe aux affaires de santé et au social, véritable relais pour faire avancer ces sujets si essentiels. Longuet Jumelle se soucie aussi particulièrement du cadre de vie de ses habitants. Sylvain en a beaucoup parlé, via un partenariat fort et engagé avec nos forces de police et de gendarmerie, incitant au civisme de chacun, réalisant continuellement un travail de fond au plus près du terrain pour éviter les désagréments du vol et des incivilités, même si, je le sais, il faudra encore et encore redoubler d'efforts dans ces domaines. Vous savez par ailleurs combien nous nous engageons afin de faciliter l'accès aux loisirs, à la culture et au sport via des infrastructures de premier plan, désormais reconnues par bon nombre de visiteurs chaque week-end. Un grand merci notamment à Laetitia, notre adjointe aux affaires culturelles, Laetitia Leroux, et qui gère le programme du Cube pour tous ces moments délicieux proposés tout au long de l'année. Loin, très loin, d'être la belle endormie dont les jumelles se projettent donc avec une certitude ou avec des certitudes vers un bel avenir. Car la vie des campagnes, celle dont nous faisons intimement partie, ne nous y trompons pas, a peut-être plus changé en un demi-siècle qu'en un millénaire. La fracture territoriale n'est pas un mythe. Elle est d'autant plus réelle qu'elle se double d'une fracture entre le terrain et le terreau de l'État. Du général de Gaulle à Jacques Chirac, la France a élu des chefs de l'État qui connaissaient parfaitement la ruralité. Il est juste aujourd'hui de constater que c'est sensiblement moins le cas aujourd'hui. Tout le monde s'accorde à dire que, de mai 68 à aujourd'hui, le gouffre s'est élargi entre le creuset et le sommet de notre pays. La sagesse paysanne s'en est allée mourir dans les villes. Nos vies rythmées par les saisons, le soleil et la lune se sont décalées pour finalement passer sous le joug d'un confort toujours plus éloigné de la prégnance de la nature. Le rentable a trop souvent remplacé le raisonnable. La disparition des haies et des buissons dans les plaines céréalières, une des réalités des années 70, en a été le symbole désespérément éclatant. J'ai écrit désespérément et non irrémédiablement, car aujourd'hui, les consciences, les mentalités se dessillent enfin et il convient de féliciter le monde agricole, dont la mue est sans doute la plus compliquée et la plus difficile depuis longtemps. Que nous soyons agriculteurs, passionnés de nature, chasseurs, néo-ruraux, comprenons qu'aujourd'hui nos territoires sont fragiles. Nous réapprenons à considérer la nature comme essentielle. Nous regardons, réfléchissons, agissons à nouveau dans le sens des cycles vertueux de notre environnement si primordial. Depuis peu, notre nature respire de nouveau et reprend des forces. Il est du rôle de la municipalité que d'accompagner ce mouvement. Et nous y prenons notre part, ainsi que l'agglomération, bien sûr. Je vais y revenir avec le sujet des ouïes en particulier. Chemin faisant dans le bon sens, nous revenons à des pratiques plus responsables, agronomiques, plus écologiques. Un sujet que j'ai l'habitude d'évoquer avec mes élus de l'agriculture. Permettez-moi de saluer et d'assurer de notre soutien. Encore une fois, nos agriculteurs sans qui les transitions ne sont pas possibles. La logique de la biodiversité reprend ses droits et les sols lentement récupèrent leur fertilité intrinsèque. Le citadin et le rural y ont tout à gagner. Retrouver une agriculture locale, respectueuse de son biotope et des saisons, l'émergence et la mise en valeur des producteurs locaux, de la gastronomie régionale, des vins et pourquoi pas de la bière bien sûr. Mais la ruralité est aussi parallèlement un réservoir de talents. Une start-up à elle toute seule, qui végétait sous notre nez et au sein de laquelle, désormais, tout autant que nous sommes, élus, entreprises, artisans, habitants et vacanciers parfois, nous avons notre mot à dire. Ne nous en privons pas et d'autant moins que les avantages que nous en tirons sont profondément vertueux et profitables au plus grand nombre. C'est assez rare pour le souligner. Il ne reste pas moins que l'équilibre est encore incertain et que nous devons appuyer nos efforts, prendre fait et cause pour les besoins de nos administrés qui ont changé ces dernières décennies. J'ai pu constater, comme la plupart d'entre nous, le vieillissement de notre population qui ne doit en aucun cas devenir un problème insoluble. Bien vieillir, mais aussi avoir pleinement accès aux soins, trop souvent cantonnés dans les grandes villes, doivent être des priorités. La désertification des campagnes du XXe siècle
ne saurait devenir une excuse. Si nous protégeons la campagne, sa flore et sa faune, nous avons évidemment le devoir de protéger en même temps les femmes et les hommes qui la composent. Nous avons un patrimoine, une identité, un passé considérable. Tout comme le retour du buisson en plaine ne doit pas être bradé au profit des champs d'éoliennes. Les considérations mercantiles ne doivent pas primer sur le bien vivre en village, sur l'entretien de nos églises, de nos biens culturels communs, sur notre devenir donc. Certains argueront que tout va bien puisqu'il n'y a pas d'émeute dans nos villages. Mais là est peut-être la vraie pauvreté. Ce n'est pas parce que l'on ne crie pas, ce n'est pas parce que l'on ne lève pas le poing, que l'on ne casse pas, que l'on ne meurt pas d'abandon. Les souffrances les plus réelles ne sont pas les plus visibles. Nous, les élus, avons dans ce cadre des obligations considérables. Je salue d'ailleurs cette prise de conscience au sein même du conseil d'agglomération, tout comme au sein de la majorité municipale. Sans transition, et au chapitre du budget municipal, comme toujours, je vous donne quelques chiffres. D'abord, l'encours de la dette par habitant. Certains m'excuseront pour les villes voisines d'avoir utilisé leurs chiffres, mais ceci pour montrer que la ville de Longué-Jumelles est très en dessous de la moyenne nationale en termes d'endettement par habitant, ce qui est évidemment une bonne nouvelle, un endettement qui continue de diminuer avec une capacité de désendettement qui descend aujourd'hui à 5 années et demie, là où nous avions pu la connaître dans les années 2010 à près de 11 années. Autrement dit, nous avons quasiment divisé par deux aujourd'hui le désendettement de la ville, et ce n'est pas sans avoir réussi pour autant à faire les investissements, je vais y revenir. L'endettement communal, quant à lui, descend d'année en année pour atteindre aujourd'hui 5 581 109 euros, très exactement. Merci à Guillaume Percheron, notre directeur financier, que j'embête jours et nuits actuellement pour obtenir les bons chiffres. Un endettement donc qui diminue et qui nous permet, c'est important, demain de pouvoir emprunter et continuer à investir sur la ville. Investir, sur les 5 dernières années, nous avons réussi à dégager à peu près 1 850 000 euros. J'ai souhaité, je souhaite, et j'ai décidé d'accélérer très largement, très sérieusement, nos investissements pour 2024. Et nous ferons en sorte de vous proposer quelques belles choses à venir. Pour ce qui est des financements de ces investissements, eh bien, nous avions réussi à dégager sur ces 5 dernières années près de 8 millions d'euros d'épargne. C'est la différence entre les recettes et les dépenses, ce qui nous a permis donc ces investissements. Nous n'avons emprunté que 1 825 000 euros, dont 1 350 000 euros pour ce cube. Alors pourquoi un emprunt sur ce cube? Parce que ce cube, il est là, nous l'espérons, pour 40 ou 50 ans, et donc il n'y a pas de raison d'emprunter et d'amortir dans le même temps. Et puis bien sûr des subventions du département, de la région, de l'État et de l'Europe à hauteur d'1,5 million d'euros. C'est un équilibre qui nous permet donc de voir l'avenir comme il le faut. En termes de fiscalité, je sais que vous êtes attentifs à vos feuilles d'impôts, comme tout le monde. Vous redire que la taxe d'habitation a été abandonnée pour tous les contribuables en 2022. Vous dire également que les taxes foncières connaissent exactement les mêmes taux depuis 2008 et que je proposerai au prochain conseil municipal d'acter une nouvelle fois que les impôts, en tout cas que les taux d'imposition, n'augmentent pas sur notre ville. Je le disais en introduction de mon propos, grâce à ces très bons chiffres, il est donc possible de se projeter sereinement vers l'avenir. C'est le moment que je choisis ce soir pour moi de remercier très sincèrement le président de l'agglomération, Jacques Goulet, pour sa confiance et aussi pour son engagement à nos côtés. Engagement promis lors de la campagne électorale 2020. Engagement tenu. Le centre aquatique Philippe Rivin, qui a coûté 9 800 000 euros. A été entièrement financé par l'agglomération. Ce centre aquatique, c'est déjà en un an près de 26 000 passages. Évidemment, nos écoles, nos collèges vont apprendre à nager et l'objectif sur le territoire tout entier, le territoire nord de l'agglomération, c'est bien sûr que chaque enfant, à l'issue du collège, et notamment à l'issue de la 5e, eh bien, puisse savoir nager ou en tout cas puisse au moins savoir se débrouiller dans l'eau. Et que
les chiffres qui ne sont pas très bons sur la France avec nos noyades eh bien, puissent diminuer et nous faisons ce travail. Ce centre, il est en place. Il fonctionne parfaitement. Merci de ta confiance, Jackie. Le projet était un gros projet. À venir, Sylvain en a parlé, la médiathèque. La médiathèque, alors, qui aujourd'hui coûte ou coûtera 2 420 000 euros. Je vois Jackie faire un peu la moue. Il a annoncé hier à Jumel un peu, peut-être 2,7 millions ou 2,8 millions. L'important, c'est que, à côté de nos salles associatives, eh bien, que cette médiathèque trouve enfin le jour. C'est important pour les écoles, c'est important pour nos collèges, c'est important pour vous, pour la population. Et nous essaierons, sur cette médiathèque, de faire en sorte que, notamment sur la partie informatique, comme on disait jadis, eh bien, chacun puisse trouver aussi les ressources en matière de formation et que nous puissions avoir sur la ville eh bien, une population capable de naviguer sur le net et naviguer sur les réseaux sociaux. Autre très gros projet qui arrive en 2024, la station d'épuration, autrement dit la STEP, 3,5 millions d'euros. Sans cette STEP, tout ce que je vais dire après ne peut pas exister, puisque l'habitat, si vous n'avez pas de quoi aller traiter les eaux usées, eh bien, il ne peut pas se faire. C'est aussi simple que ça. Vous avez dans le journal municipal, avec Patrice Pégé, qui est un peu caché là, c'est pas volontaire Patrice, toutes les explications de ce projet qui doit démarrer en mars ou avril. Jérôme n'est pas là ce soir, mais il pourrait nous préciser les dates. Et ça va nous permettre d'augmenter la population telle que nous le souhaitons. Je vais revenir sur l'économie. L'économie sur ce mandat, c'est près de 5 millions d'euros dégagés par l'agglomération. Vous allez voir que là aussi, les choses vont parfaitement bien et que le paysage est en train de se transformer. Vous l'avez peut-être vu lorsque vous êtes passé près de l'autoroute à 85. Ça pousse, tout pousse, comme de véritables champignons. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'humidité à cet endroit-là, donc ce n'est pas non plus anormal. L'agglomération interviendra auprès du terrain des gens du voyage, qui se retrouvent près de la route de l'abattoir. 70 000 euros seront investis. On a un petit souci. On a un petit souci de pollution lié à un ancien transformateur électrique et nous nous devons d'assurer à minima cette dépollution. Et puis, l'agglomération arrivera également pour abonder le parc privé dans le cadre de l'OPAH que Marie-Thérèse Delaunay et que Nicole Pélu traitent parfaitement. L'OPAH, c'est quoi? C'est l'opération programmée de l'habitat si vous êtes dans un périmètre qui correspond à Jumel comme à Longuet, à peu près au centre-ville ou au cœur de ville, un peu plus quand même, hein, parce que c'est un peu élargi, eh bien, vous avez peut-être le droit à des aides de la part de l'agglomération, du département et aussi de la commune pour améliorer notamment les façades. On essaie de beaucoup travailler là-dessus parce que c'est important de donner une belle image de notre ville. Et puis, il y a le PLUI Loire-Longuet, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui est un vaste sujet très complexe, très difficile, qui nous occupe évidemment largement, avec notre ami Laurent Nivelle, vice-président en charge. C'est pas vice-président, d'ailleurs, c'est conseiller délégué. Ouais, bon, ça vaut largement en poste de vice-président, très franchement, qui nous aide là-dessus et qui nous permet notamment d'ouvrir, je vais en reparler, les champs de beaux sur Jumel. Je me suis laissé aller à un petit tableau. Je voudrais vous garder le chiffre qui est tout en bas à droite. 2020-2026, l'agglomération va investir sur Longuet-Jumel un peu plus de 22,5 millions d'euros. C'est deux fois ce que nous avons fait depuis 8 ans, tout simplement. Un grand merci à toi, Jackie. Je pense qu'on peut l'applaudir pour son engagement à Longuet. J'aperçois pas Michel, j'espère qu'il n'est pas trop jaloux. Non, ça va Michel. Je fais un point sur ce qui va bien toujours, parce que tout va bien en fait, notamment en matière de développement économique, et vous connaissez mon attachement au monde économique, avec pour commencer la zone ActiParc de Jumel. Vous dire d'abord qu'une étude est en cours avec l'aménageur Alter pour étudier une extension de la zone d'activité. Plusieurs scénarios sont étudiés à l'intérieur, à l'extérieur de la zone également. Nous aurons l'occasion d'en reparler, parce que évidemment on touche là aussi aux terres agricoles. Les études préalables et environnementales ont débuté quant à elles pour savoir si effectivement il est possible de le faire à l'est, au sud, au nord ou à l'ouest. Nous vous en dirons plus bientôt. Pour ce qui est des entreprises, les serres du Val-de-Loire ont été inaugurées pour ce qui est de la première pierre.
pas plus tard que vendredi dernier, avec le président et le vice-président en charge, Michel Pathé. Les travaux donc ont débuté en septembre. L'investissement est de 8 700 000 euros, pardon. 8 700 000 euros pour 9 800 m² au sol, 49 emplois sur le site pour démarrer, plus de 80 prévus à l'horizon des 5 prochaines années. Deux ateliers relais, les 20 et 21, sont en train de pousser, 2 fois 300 m². Vous les avez forcément aperçus. Ils sont sur le bord de la route de Jumelles. La livraison du nouveau site est prévue bientôt, en avril 2024. Et là aussi, le budget est consacré à hauteur d'un peu plus de 900 000 euros. Avenir Communication poursuit son développement. J'en parle parce que vous avez une réunion très tôt, demain à 8h, je crois. Donc il ne faudra pas trop tarder ce soir. D'accord ? Il va falloir être en forme, monsieur le président. Pour un agrandissement des locaux, là aussi, on pousse les murs. Mécaloir, qui est déjà en place, vous l'avez vu, bâtiment livré très récemment, en juillet 2023, bâtiment qui est en activité avec deux chefs d'entreprise qui sont jumellois d'ailleurs, et que je félicite, je ne sais pas s'ils sont présents ce soir parmi nous, avec un investissement immobilier, d'1,5 million d'euros pour 1500 m² au sol et 25 personnes en termes d'emploi. La CAPL également investie, vous l'avez vu, hein, ce sont les tours qui poussent juste en face de chez M. et Mme Manceau, qui font partie des ateliers relais de l'époque, pour une livraison du nouveau site en juin 2024. Investissement immobilier, 7,3 millions d'euros. Tous ces millions s'additionnent évidemment et permettent aussi à nos entreprises locales, régionales, à nos artisans, évidemment, de trouver des ressources supplémentaires. Une dizaine de salariés sont prévus à cet endroit. Sur la zone de la Syrie, l'entreprise de couverture charpente Soyer va bientôt s'installer. Le foncier est en cours de construction pour un atelier en 2024. Les travaux pour M2GB entre le Peugeot et l'expert comptable également vont démarrer dans les semaines qui viennent. Restera un terrain qui se trouve face aux établissements gabillés sur le haut de la Syrie et pour lequel deux porteurs de projets existent. Les choses pourraient se décanter en 2024. Il y a parmi ces deux projets un projet, on va dire, de loisirs, très 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 intéressant. Et je suis en lien quasi hebdomadaire avec le dirigeant pour trouver une solution face à nos amis les banquiers. Sur la zone de la Métairie, la zone d'activité va bien également, très bien. Nous lançons en 2024 des études techniques, là aussi, et environnementales pour l'extension de la zone sur une surface de 9 hectares avec pas mal de prospects industriels. Carolex et Jambal ont indiqué des projets d'extension. Anjou Électronique prévoit, avec 140 salariés actuellement, 30 recrutements pour l'année 2024. Et puis le site Ex-Degnaud, pour ceux qui voient, sur ce site, une étude est actuellement en cours pour louer au groupe Faya. Groupe Faya qui est déjà implanté sur ce mur avec la ACML, production de façades, notamment vitrées. Sur cette zone, nous avons une friche, vous l'avez peut-être remarqué, la communauté d'agglomération a mandaté Alter pour étudier la reprise et la dépollution de 3 sites sur l'agglomération, mais celui-ci en particulier, c'est le site de la friche ERE. Les sondages de sol vont être effectués ce printemps pour qualifier et quantifier la pollution du sol. Alter a déjà inscrit cette friche auprès de l'ADEME pour financer les études. Les résultats seront connus en 2024. On fait le maximum pour accélérer. On sait qu'il y a des intrusions dans cette entreprise. Et quand on connaît l'état de pollution de l'entreprise, on peut être inquiet. Et nous avons demandé avec Sylvain à ce que la police municipale soit le plus présent possible aux alentours de cette zone. Et puis je termine avec hors zone, Assa Abloy, qui a un projet en étude. Le groupe souhaite faire évoluer le site de Longuet. En plus de son activité historique, le site va développer son activité fonderie déjà existante pour les besoins internes, afin de devenir le fournisseur de l'entreprise ou de l'ensemble des sites, plutôt Assa Abloy d'Europe. Actuellement, chaque site sous-traite à une fonderie proche et désormais, le groupe souhaite internaliser cette activité à Longuet. Sur ce développement économique, permettez-moi vraiment de remercier Michel Pathé, vice-président en charge de l'économie sur l'agglomération, et une nouvelle fois Jacques Goulet, avec qui, je crois, nous travaillons vraiment de concert
et avec qui il est extrêmement rare finalement sur ce sujet d'être en désaccord. C'est bien la preuve que nous avons tous et ensemble eh bien, le même objectif. Merci à vous deux. Alors le monde économique, c'est aussi bien sûr nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs, et ne nous oublions pas, bien sûr. Au-delà du développement économique, et ce sera la dernière partie de mon propos, vous l'attendez bien sûr, ce sont les sujets qui nous attendent plus précisément en 2024. Parmi ces sujets, il y a cette fameuse carrière des hybrides, dont l'objectif initial était d'y réaliser une base de loisirs. Bon, vous voyez que sur la photo, on a le sentiment que l'eau n'est pas forcément très propre. Et au-delà, que les cyanobactéries sont bien présentes, et je vous confirme, elles sont bien présentes. Alors, on a imaginé, et ça a fonctionné pendant quelques semaines, n'est-ce pas Sylvain, cette base de loisirs, et nous avons pu nous y baigner. Aujourd'hui, le sujet prend deux aspects. Le premier, c'est celui du photovoltaïque. Sur la partie que vous voyez tout à droite là-bas, donc sur la partie nord-ouest du bassin, eh bien, une entreprise qui s'appelle Renantis, qui est une entreprise bretonne, est en train de travailler à la création d'un peu plus de 5 hectares de panneaux photovoltaïques. L'objectif est simple, c'est d'apporter pour la moitié de la population longue-régionale, la moitié de la population, une énergie verte. Pour cela, nous sommes évidemment en lien avec l'agglomération, Jackie est là, Laurent est là, et puis les vice-présidents en charge, et nous saurons, aux alentours du mois de septembre ou octobre 2024, après que les services de l'État aient étudié le sujet, nous saurons à quelle sauce nous serons mangés, mais en tout cas, nous ferons en sorte que ce projet sorte de terre, même s'il s'agit très peu de creuser, mais en tout cas, que ces panneaux existent sur Longuejumelle. La deuxième partie de ce site, c'est celui de ce qu'on va en faire vraiment. Nous allons recevoir Renantis dans quelques jours. Je vais sans doute proposer à mes élus d'aller un peu plus loin sur l'utilisation du site. Les pêcheurs sont déjà présents. Les chasseurs nous ont demandé également un peu de présence. On verra dans quelle mesure c'est possible. Il ne s'agit pas d'éliminer, comme le dirait Yann, tous les canards protégés présents. Pour autant, peut-être, il y a un peu de travail à faire sur ce côté-là. Et puis, nous essaierons également, avec ce que nous rapportera demain le photovoltaïque, eh bien, nous essaierons d'aménager cette base en promenade. Autrement dit, l'idée, c'est bien que cette carrière des Iouïs, qui demain sera cette base de visite, de partage, de promenade, eh bien, appartienne toujours et encore à la municipalité pour protéger aussi notre environnement. Pour tous les autres sujets que j'évoque maintenant, c'est l'arrivée des pelleteuses. N'est-ce pas, Christophe ? Qui, Christophe Gabillet, notre adjoint à l'agriculture, qui veut voir des pelleteuses partout? Les premières, elles seront déjà en place depuis un petit moment, c'est celles qui se trouvent au Nivardière, à Jumet. Le lotissement sort de terre, nous avons 14, 17, 20 logements voilà, qui vont sortir de terre. Merci à Nicole, pays notre maire déléguée, qui fait un gros travail d'animation autour de ces futurs logements et qui ne lâche rien. Vraiment, qui ne lâche rien. N'est-ce pas, monsieur le directeur général des services? À Jumel, toujours, il était prévu de démolir et de reconstruire l'ancienne boulangerie pour y faire du logement. Alors, nous avions un premier devis à 60 000 euros et puis on s'est aperçu qu'il y avait un peu d'amiante. Et donc, cette boulangerie, si on veut la démolir, elle nous coûte, rien que pour la démolition, 200 000 euros. Autrement dit, pour 6 logements, 200 000 euros, on a un petit problème. Et donc, on va rediscuter tout ça avec les élus et probablement que nous irons vers le parc privé pour essayer de trouver une solution. Devant cette boulangerie, nous avons la salle Mon Plaisir. On va rester sur la diapo, si vous voulez bien, Nathana. Si c'est possible de faire un petit retour en arrière, est-ce que c'est possible? Voilà. Donc la salle Mon Plaisir, qui aujourd'hui est utilisée par diverses associations, dont les Palais, par exemple, qui est une association nouvelle, et nous allons transformer, ça c'est prévu pour 2024, nous allons retransformer cette salle en nouveau commerce, et l'idée est d'y retrouver
pourquoi pas une boulangerie snack avec un nombre de passages qui est conséquent sur cette route et qui normalement devrait pouvoir vivre à peu près correctement et viendrait en soutien de la petite épicerie et du bar qui fonctionne parfaitement avec nos commerçants. Au Vieux-Bourg, cette fois-ci, sur Longuet, l'île aux Chauvetaux doit commencer à sortir de terre à la fin de cette année. Il s'agit de déconstruire l'ancien garage dit Chauvetaux et d'y placer là 14 nouveaux logements, ainsi que du commerce. Donc nous aurons, en lieu et place de ce qui existe là, un nouveau commerce, pas encore ce qu'on mettra dedans, mais en tout cas l'idée c'est de redynamiser ce Vieux-Bourg, bien sûr. Un peu plus loin, les résidences seniors, la partie 2 des résidences seniors, au-dessus de l'hôpital de Longuet, devrait démarrer. On a un petit problème de réseau d'eau, puisque à 40 cm sous la terre, effleure la partie, la défense incendie de l'hôpital, et qu'il s'agit évidemment, n'est-ce pas mon lieutenant, de faire en sorte de ne pas faire de trous dans cette défense incendie. Ce serait quand même beaucoup mieux. Donc ça devrait, en tout cas les travaux devraient démarrer au cours de cette année. Sur Varencière, nous en avons parlé, Sylvain en a parlé, 166 logements en deux phases. On va commencer par la partie haute. Le triangle que vous voyez là va démarrer dans quelques semaines. L'objectif, c'est évidemment du terrain constructible, du logement locatif pour tous les niveaux de vie et redynamiser un peu ce quartier, en tout cas le dynamiser à nouveau. Il y a un vrai besoin de ce côté-là. La rue des Champs-Renaud également est au programme avec 14 logements là aussi sur le triangle. C'est un sujet qu'on a encore assez peu évoqué en conseil municipal, mais Madame Delaunay, qui gère ce dossier, aura l'occasion de nous en parler. Je voudrais remercier Marie-Thérèse pour son travail, là aussi de tous les jours. Elle est capable de m'appeler le matin à 6h du matin, comme à 23h le soir, pour des sujets qui pourraient attendre peut-être parfois 15 jours. Mais quand même, c'est tout de même mieux si c'est réglé tout de suite. Merci Marie-Thérèse de ton engagement. Et puis il y a le sujet de l'ancien hôpital. Un sujet, je l'ai dit dans la presse, qui est sans doute le sujet le plus difficile que j'ai eu à traiter depuis 15 ans, tant il est administrativement, techniquement, juridiquement, financièrement difficile à mener. C'est une friche aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre Christophe Béchu il n'y a pas très très longtemps, qui m'a promis une aide qui devrait se situer à plusieurs centaines de milliers d'euros, et qui va nous permettre, grâce aussi à la région, et je salue Antoine Chiraud qui est en haut à droite, un ami ancien maire de Montaigu, qui devrait nous permettre de réhabiliter tout cela. Nous allons démolir les deux tiers de l'ancien hôpital. Tout ce qui n'est pas en tuf sera démoli. Nous reconstruirons à la place une centaine de logements, pour tous les goûts et tous les niveaux de vie. Sur la partie en tuf, on aura du logement qualitatif, plus, avec notamment de la défiscalisation. Puis nous aurons ensuite des logements plus collectifs, voire plus individuel, avec de l'accession à la propriété, du logement plus, c'est-à-dire du logement pour des gens qui ont des revenus déjà assez conséquents, et puis aussi des logements un peu plus, un peu plus simples, en tout cas pour les gens qui ont des revenus un peu plus faibles. Nous allons y arriver. La signature devait avoir lieu en décembre. On a un petit souci de pollution, peut-être, peut-être pas. En tout cas, et je remercie une nouvelle fois Jackie, vous allez me dire, je passe mon temps avec Jackie Goulet. Ton mari n'est pas là, j'espère. Non. On y passe beaucoup de temps parce que c'est aussi grâce à l'agglomération et grâce au président, qui est aussi le président finalement du conseil de surveillance de l'hôpital de Saumur, et bien que nous allons pouvoir avancer. Et donc la signature pour l'achat de cet ancien hôpital, puisque la commune va se porter acquéreur et donc propriétaire, est prévu dans les semaines qui viennent pour le prix de 350 000 euros. Et si tout va bien, pour un projet qui avoisinera au final les 17 millions d'euros, eh bien la commune, si tout va bien, ne devrait participer qu'à hauteur de l'achat de ce site, c'est-à-dire 350 000. J'ajoute à cela, et pour 2024, les nombreuses interventions sur nos voiries que nous ne manquerons pas de proposer et que ne nous manquera pas de proposer notre adjoint aux espaces verts à la voirie, Patrice Pégé, bien sûr, qui nous fait toujours une liste à la Prévert, grosso modo entre 4 et 7 millions d'euros à dépenser, et grosso modo une enveloppe de 200 à 300 000 euros. En gros,
débrouille-toi, Patrice, ça va bien se passer. Mais il a toujours le sourire. Vous l'aurez compris, le travail le plus important de ces 6 prochaines années, je vais jusqu'à 2030, est celui des nouvelles propositions de logement, de terrains constructibles et plus généralement de l'habitat pour tous. Quel que soit son niveau de revenu, quel que soit le niveau de vie de chacun, quelle que soit sa volonté ou non de disposer d'un petit lopin de terre personnel. Nous devons, et j'ai fixé le cap, en effet, imaginez que Longué-Jumelle dispose d'environ 500 habitants de plus d'ici 2030. Je crois, j'en suis sûr, que c'est possible. Nous ferons ce qui est nécessaire pour que cela soit le cas, en tout cas. Au profit de nos écoles, d'abord, de nos commerces, de nos associations, bien sûr, et tout simplement, du dynamisme de notre vie. Nous avons toujours fait en sorte de mener une politique très volontariste, qui permettent de valoriser notre patrimoine, y compris le vôtre, individuellement. N'oubliez jamais qu'une ville dynamique, qu'une ville qui dispose de toutes les infrastructures en matière de santé, de sport et de culture, une ville où il est globalement possible de commercer, une ville où la sécurité est une priorité, une ville qui dispose de zones industrielles conséquentes, est une ville dans laquelle la valeur de vos maisons et de vos biens progressent. Depuis quelque temps, de nombreux jeunes ménages viennent s'installer. Un signe fort d'une nouvelle attractivité de Longué-Jumelle, il nous faut absolument poursuivre dans ce sens. Alors, et pour terminer, parce que j'étais un peu long, c'est vrai que ça fait quand même 29 pages, c'est pas les 42 du président, mais ça fait quand même 29 pages, je voudrais vous dire que ces derniers mois, je vous l'avoue, n'ont pas été de tout repos pour le maire que je suis, avec le sentiment de passer d'une volonté renouvelée, toujours renouvelée, de gagner, au sentiment terrible de ne pas perdre. Mais la force d'un décideur est de passer outre, toujours de passer outre, et de faire en sorte que l'intérêt général soit porté au plus haut, qu'il soit possible, et ce, quoi qu'il arrive personnellement. C'est donc avec ce profond sentiment de faire le bien pour notre ville avec mon équipe et donc pour vous que je m'engage à nouveau à vos côtés pour cette année 2024 de manière ambitieuse, sereine et extrêmement sérieuse. Permettez-moi, avec cœur et passion, avec la foi en notre ville qui m'habite plus que jamais, de vous souhaiter, au nom des membres du conseil municipal, une bonne et une belle année 2024, au cours de laquelle notre façon d'être et nos petits gestes, tu le disais Sylvain, au quotidien renforceront la solidarité dans notre rue, dans notre ville, dans notre pays. À quelques jeunes qui me demandaient il y a peu ce qu'il fallait pour devenir maire, je leur répondais, il faut aimer sa ville, aimer les gens, et le reste s'apprend. Voilà. J'ai déjà été trop long et le pire, c'est que tout ce que je vous dis là, je vous l'avais promis en 2020. C'est en fait, en relisant ces mêmes vœux ce matin, très tôt, que je me suis clairement aperçu qu'un slogan politique du type « Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis », eh bien oui, cela existe vraiment. À tous, j'adresse mes vœux les plus sincères de bonne santé, de prospérité et de bonheur personnel. Qui que vous soyez, quoi que vous pensiez du maire. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce soir, vous comme moi, nous sommes vivants sur cette terre et que cela, ça n'a aucune valeur supérieure à quoi que ce soit. Mais aussi un vœu plus général, un vœu qui nous rassemble, un vœu commun, souhaiter une bonne année à notre ville. Pour Longué-Jumelle, gagnons tous ensemble et faisons en sorte de rendre les choses possible, tout ce que nous souhaitons possible. Très bonne année 2024. Place à la galette et au verre qui l'accompagne, bien sûr. Merci beaucoup.